Bienvenue dans California, l'outil permettant de créer une clé USB ou une carte SD d'installation de macOS. Choisissez la version de macOS que vous voulez installer. Excusez-moi. California ne provient pas d'un développeur identifié. Voulez-vous vraiment l'ouvrir ? Et bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sécurité. macOS Sierra a énormément été travaillé de façon à ce que les installations, les téléchargements venant d'Internet, de Safari, soient bloqués si les applications ne sont pas signées. Ce qui veut dire qu'on a peu de possibilités d'installer cette application venant d'Internet si on ne lui donne pas les droits nous-mêmes. Alors attention, puisque étant donné que si on donne des droits à une application qui normalement n'est pas autorisée à être installée, on peut éventuellement attraper un cheval de Troie, un virus sur notre Mac. C'est vous-même qui en prenez la responsabilité, mais quand vous êtes sûr de ce que vous faites au niveau de votre Mac, pas de souci. Ici, je vais vous montrer avec une application que j'ai téléchargée et d'ailleurs une vidéo qui suivra sur la création d'une clé d'installation macOS Sierra. Alors, ça peut être sur macOS Sierra comme sur El Capitan. C'est à partir de ce logiciel qu'on va pouvoir créer une clé d'installation. On va tout de suite se rendre dans le dossier téléchargement. J'ai téléchargé une application qui s'appelle California. Alors attention, c'est pas le groupe, c'est bien California, une application pour gérer la création de clés d'installation. On va l'ouvrir. Excusez-moi, impossible d'ouvrir California car cette app provient d'un développeur non identifié. Alors comme vous l'avez entendu, on a un problème lorsqu'on lance cette application, vu qu'elle n'est pas authentifié par macOS Sierra, on n'a pas de possibilité telle quelle de pouvoir l'installer. On va écouter donc la boîte de dialogue. Impossible d'ouvrir California, car cette app provient d'un développeur non identifié. Vos préférences de sécurité ne permettent que l'installation d'apps de l'App Store et de développeurs identifiés. Safari a téléchargé ce fichier aujourd'hui à 16h48 depuis. Anthony Nelson FR. Voilà donc, ici, on ne peut pas faire l'installation. macOS nous le refuse. Mais attention, on va passer par-dessus car on va aller tout simplement dans le dossier Find préférences système. On va tout simplement se diriger sur sécurité confidentialité fenêtre. C'est ici qu'on va résoudre notre problème. Dans cette fenêtre, on a différents onglets par rapport à la sécurité de notre Mac. Nous, on va aller tout en bas où se trouve en bas tout à gauche un cadenas qui verrouille cette fenêtre. Et ce cadenas s'intitule pour modifier, cliquez sur le cadenas, bouton. Il va donc falloir cliquer sur ce cadenas, entrer notre mot de passe administrateur pour pouvoir décoincer la situation. Comme je vous disais, dès que l'on clique sur ce cadenas, on a instantanément la fenêtre admin qui nous demande notre mot de passe pour débloquer la situation. Ce qu'on va faire tout de suite. Et comme vous pouvez voir, lorsqu'on aura tapé le mot de passe administrateur, notre cadenas s'ouvre et va nous donner la possibilité de modifier l'installation bloquée. Maintenant, on va gérer la fenêtre. On a quatre onglets. Sur ces quatre onglets, on va rester sur l'onglet général. Général, sélectionner, onglet, 1 sur 4. On vient de l'entendre, 1 sur 4. On va descendre. File Vault, coupe-feu, confidence, autoriser votre Apple Watch à déverrouiller votre Mac, cocher, case à cocher. Alors, autoriser votre Apple Watch à déverrouiller votre Mac, ce sera une vidéo que je vous ferai pour montrer l'intégralité des réglages pour comment déverrouiller son Mac avec son Apple Watch. On va continuer dans ce qui nous intéresse ici, qui vient juste en bas. C'est ici que ça nous intéresse. On a donc le titre. Autoriser les applications téléchargées d'actuel. On va avoir deux boutons radio. App Store, bouton radio, 1 sur 2. App Store et développeurs identifiés, sélectionnez, bouton radio, 2 sur 2. C'est ce que j'ai coché, moi, par défaut. Mais ici, on va donc pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, autoriser California à s'installer malgré tout à partir de cet instant. L'ouverture de California est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. On continue la navigation. Ouvrir quand même, bouton. Et on a un bouton, maintenant s'affiche et qui nous dit ouvrir quand même. Lorsqu'on clique ce bouton, instantanément, on a une fenêtre qui va nous redonner. Excusez-moi, California ne provient pas d'un développeur identifié. Voulez-vous vraiment l'ouvrir ? Voilà donc la question. L'ouverture de California lui permettra de toujours s'exécuter sur ce Mac. Voilà, donc nous ce qu'on va dire,
Oui, on veut l'ouvrir. Ouvrir, California, dialogue. Bienvenue dans California, l'outil permettant de créer une clé USB ou une carte SD d'installation de macOS. Choisissez la version de macOS que vous voulez installer. OS Tunnel Capitan, bouton. Comme vous avez pu voir, on est passé au-dessus et on va pouvoir, en fait, maintenant, créer notre clé qui sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le déblocage d'une application venant de Safari. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Surtout à vous abonner à la chaîne pour qu'elle puisse monter sur YouTube. Et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !